Bonjour, je m'appelle Evelyne Chic-Tonelli et je m'occupe d'un domaine qui s'appelle la clémentine et nous faisons de l'huile d'olive biologique depuis des années. Alors la clémentine, pourquoi? C'est le nom de nos enfants, Clément et Amandine. Et c'est ma maman qui a trouvé l'idée de dire c'est le domaine de la clémentine. Ils ont acheté ce terrain il y a une soixantaine d'années. Il y avait déjà des grands oliviers très anciens sur le domaine. On avait un peu perdu l'habitude de faire de l'huile d'olive. Et avec mon mari, il y a une quarantaine d'années, on s'est remis à faire de l'huile d'olive. On a appris petit à petit comment ça se faisait. Et pour nous, c'est important qu'elle soit surtout biologique. Donc on s'est tout de suite orienté vers une possibilité de faire de l'huile sans aucun produit chimique. Et il se trouve qu'on a de la chance parce que c'est un très bon terroir. Et dès le départ, nous avons eu une médaille d'or au concours général agricole, ce qui nous a permis d'asseoir notre réputation, si on peut dire, dans le milieu donc de l'huile d'olive de Nice, parce qu'on est aussi contrôlé AOP huile de Nice. Donc je me présente, Thierry Bianchini, je suis ici depuis déjà 1997, donc je m'occupe entièrement de la propriété, tout ce qui est culture, entretien du terrain, il y a 4 hectares et demi, donc sur ce terrain il y a 800 arbres qui sont plantés, il y en avait qui étaient plantés depuis des siècles, hein, des gros. Moi j'ai commencé à en planter 400 en 1998, donc voilà, ces arbres-là, ben, depuis, ils sont en production. Il y a un gros travail d'entretien parce que voilà, il faut entretenir les sols, il faut entretenir les tailles, il faut faire la récolte, voilà, faire les traitements biologiques parce que toute la propriété est en culture biologique. Et voilà, autrement, eh bien, il y a beaucoup de travail aussi de sol. On entretient les sols, donc on passe des machines mécaniques pour couper l'herbe. Aucun désherbant, donc il y a une machine donc, pour faire les pieds des arbres, le tracteur pour faire tout le reste. Toutes les tailles, donc après la récolte, les arbres sont taillés pour leur permettre de renouveler les branches pour que ce soit des nouvelles branches qui vont produire des olives. Et tous les déchets donc, de ces tailles sont broyés avec une machine spéciale et répartis sur tout le terrain pour pour produire un humus qui va faire un apport organique à la terre. Voilà, donc tout est recyclé, tout est remis en... Rien n'est gaspillé, rien n'est brûlé parce que souvent les gens par simplicité, par plus pratique, il faut un gros tas, il brûle, puis voilà, c'est fini. Donc tout ça, c'est gaspillé. Nous, on valorise tout ça pour la terre.
生産者に来るってどういうことかというと、やっぱ生産者に来ると僕らが一緒に見るのはこのオリーブの、ね、畑を見てオリーブの木を 見ますけど、オリーブの木だけを見るんじゃなくて、やっぱり生産者に来て何見えなきゃいけないかって、ここにある自然を見なきゃいけないですね。どういう他の植物、植物が、ね、育ってるかとか、ここにどういう動物がいるのかとか、そういうのを見てみるとたくさんヒントがあるんですけどね。ここなんか偶然にもちょうど野生のウイキョウがありますけどね、こういう野生のウイキョウを使ってオリーブオイルと合わせてこう料理したら美味しいんだろうなと思うし、それ以外にもここで いろんなところでこう農業でね、トマト作ったり、ズッキーニ育てたり、イチジクの木が植えてあったり、それからいろんな柑橘類の木があるんですけど、まあ、そういう柑橘類とこのまたここで育ったオリーブオイルっていうのをこう合わせてみると、まあ、さぞかし美味しいんだろうなと思うんですけど、まあ、これってもうすでに調理っていうか料理の始まりなんですよね。自然の摂理っていうものをちゃんと理解して、その断りを一つにまとめてあげるっていうことがこう料理だと思うんですけども、自然が料理してくれてるっていうのをやっぱり生産者のところに行く、自然に行くと気づかせてもらえる、まあ、そういう自然の恵みっていうのをなんかこう気づくためにはやっぱり自分で足運んでそこの自然っていうのに向き合ってみなきゃいけないかなと思います。Ce matin, j'ai trouvé donc des petites courgettes, la petite courgette de Nice. Oui, j'ai vu tout à l'heure au jardin. Ouais. Voilà. Bon, j'ai cueilli les fleurs ce matin, elles étaient ouvertes. Là. Il y avait une abeille dedans aussi, même tout à l'heure. Ouais, c'est super. Hein. Voilà. Ça, c'est la courge longue d'Albenga, je crois. Qui est bonne aussi. Je trouve que le goût, ça se rapproche pas mal de ça quand même. Hein. Et puis, on a du basilic. Alors là, j'ai le basilic, bon, malheureusement, il se fane vite. J'ai du basilic cannelle, celui-là. Hein? Cannelle, il sent bien, il sent bien la cannelle. Et ça, pardon, et ça, c'est le petit basilic marseillais habituel, petit basilic. D'accord. Et là, on a la marjolaine. Marjolaine? Oui, parce que le thym, moi, j'ai pas trop, il pousse pas bien, mais la marjolaine, oui. D'accord. Hein? Voilà, et alors, tomate du jardin. Nous, on aime bien les tomates un peu compliquées. Hein. Des tomates vertes, mais elles sont mûres. Ouais. Tomates prunes noires. Et puis d'autres tomates variées. Cœur de bœuf. Oui, cœur de bœuf. Enfin, oui, celles-là, elles sont marrantes aussi, noires. Ces bras noirs, elles sont très, très sympas. Elles ont beaucoup de goût, j'aime bien ça aussi. Et puis des roses. Voilà. D'accord. On fait une salade de tomates mélangées. Ok, c'est bien. Bonne idée. Pour valoriser l'huile d'olive. Ouais. Ou à l'huile d'olive qui va valoriser le produit. Les deux, une synergie. Ouais. Bon, moi, tu sais, je suis pas une grande cuisinière, hein, c'est clair. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on met un peu les couleurs. Vous n'êtes pas peut-être de grand cuisinier, mais vous connaissez la nature. Ça, j'aime bien. Ouais. Et puis, comme on dit, ce qui compte, c'est le bon produit. Il faut valoriser le bon produit naturel. Ouais. Il faut avoir bon produit. Oui, mais moi, je peux tout saboter le bon produit. Voilà. Hein. Il y en a pas mal de gens, ils achètent bon produit. Mais vous, vous avez de bons produits. Ah oui. Mais tu sais, pour moi, ça, tu manges ça comme ça avec du sel, c'est comme un bonbon. Ça, c'est mieux qu'un gâteau. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est mieux pour santé aussi. Hein. Ah oui. Que bonbon. Hein. Oui, c'est sûr. Bon. On a prévu ce bio, c'est très pratique pour cuisiner. D'accord. C'est bien. Maintenant, je ne sais pas si dans un restaurant, pour les bactéries, pour tout Non, on n'a pas le droit. Non, voilà. C'est ce qu'on m'avait dit. C'était pas terrible. On est au milieu comme ça. Ça fait joli. Donc ça, les enfants, ils peuvent manger tout le temps alors. Alors, moi, elles vont dans le jardin et elles mangent dans le jardin, sur la plante. Et tu sais, les petits pois, elles les mangent crus dans le jardin, les filles, mais elles ne mangent plus après à table. Oh là là. Le petit pois cru, quand tu viens de le cueillir. C'est super. C'est une tuerie, comme disent les jeunes, tu sais. Voilà, là, on passe aux tomates vertes, hein, un peu. Oui, même tomates vertes sont mûres. Hein. Ah oui, elles sont mûres, oui. Le nom, j'ai un peu oublié. C'est ma fille qui a fait les... Ah oui. Elle est un peu comme Jean, tu vois, quand elle en fait des tonnes, donc je sais plus ce qu'il y a.
Voilà, écoute, hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, j'en fais encore un peu. Non, mais c'est bien. C'est bien, bien comme ouais. Ça, regarde. On va faire décoration, hop, au milieu. Mais bon, ça c'est mon maximum. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je mets d'abord le sel et après l'huile. Ouais, c'est bien. Donc c'est le sel de Guérande? Oui, c'est la fleur de sel de Guérande, ça. Mm. Ouais. Bon, je mets pas trop parce que pour la santé, c'est pas très bon. Hein, non. Le sel, ouais. En plus, tu vois, c'est humide, alors j'arrive pas à bien le mettre. Mm. Voilà. Et après, on fait, ben voilà, hein, la petite huile. Mm. Voilà. Et les gars? On y va, hein, on n'a pas peur. Mm. Voilà. Parfait. Ah ben, j'en consomme pas mal. Hein. Ben oui, j'ai remarqué. Tu fais beaucoup, beaucoup la cuisine avec lui. Ouais, beaucoup. Mm-mm. J'aime pas beurre. Voilà. Alors, le basilic, je sais pas. Parce qu'à la limite, parce que le basilic, c'est trop, tu vois, le goût, je sais pas. On peut en rajouter ou sinon... Ben, c'est simple, c'est mieux, c'est. Mais bon... Moi, j'aime bien comme ça. Mm-mm. Moi aussi. Bon, bon appétit, hein. Mais oui, pareillement. Ouais, je vais goûter. Mmh. Ah ouais. T'as goûté la tomate verte, elle est bien aussi, hein. Mmh. Alors, les peaux sont un peu grosses. Mmh. Souvent, j'aurais peut-être dû peler, c'est difficile parce que les petites tomates, mais... J'ai un problème d'arrosage. J'arrose pas régulièrement et les peaux, elles sont trop grosses. D'accord. Je trouve, hein, pour... Mmh. J'ai vu que dans mes amis, il y en a qui ont enlevé les peaux. Ah. Mmh. Ils sont délicats. Moi, mmh. J'aime bien. C'est bon pour l'intestin. Ouais. On n'a pas besoin de faire compliqué, hein. Écoute, moi, personnellement, je me régale avec ça. J'aime pas la cuisine très compliquée, moi, les sauces. Tu sais comment on faisait avant? Des sauces blanches avec du lait, de la crème. Moi, j'aime pas ça. Je sais que quand ces produits n'est pas bon, mmh. On doit beaucoup cuisiner pour se casser. C'est ce qu'on disait avant. On faisait beaucoup de sauces parce que c'était pas très bon. Mmh. Si on a pas un bon produit, mmh. On n'a pas besoin de cuisiner. Il vaut mieux pas cuisiner trop. Mmh. Mais tu sais, la pâte d'olive. C'est pour respecter le goût. Mmh. Là, tu la mets sur un bon pain. Simplement ça, avec un peu d'huile d'olive si tu as envie d'en rajouter, et de, mmh. De Thomas. Mmh. Oui, c'est vrai. Mmh. Alors, le cannelle, il est très fort. Hein. Ah, ça, c'est la marjolaine. Hein. Mmh. Mmh. Tu veux goûter avec... Ça, c'est marseillais. Oui, ça, c'est le petit marseillais, il s'appelle lui. Et ça, c'est le cannelle. Vous voulez? Non, moi j'aime bien comme ça. Mmh. Je trouve qu'il est un petit peu fort. Il faut savoir dans le produit quel acide glutamate qui s'appelle umami. Ah oui, umami, c'est vrai. Donc umami, donc acide glutamate inosique et guanyune. Mmh. Il y a trois variétés très connues. Mmh. Et toujours, ils sont cassés dans le produit. Et les gens, ils ne savent pas. Moi, je sais. Donc, ça dépend de la composition de umami et s'il y en a ça, normalement, on est apprécié sur le palais. Donc, on pourrait imaginer qu'on ne mette pas du tout de sel. Non. Par exemple, salade de tomates, ouais. Comme tu as mis du sel, mm-hmm. Mais par exemple, on n'a pas peut-être besoin de mettre de sel. Par contre, tomates, condiments, huile d'olive. Oui. On a oui. Besoin de condiments. Condiments à la fois sur le basilic ou la marjolaine. Ce qui est oui. Intéressant, c'est l'oignon. L'oignon? Oignon. Oignon émincé ou oignon ciselé ou échalote. Mais ah oui, un petit oignon frais. Hein. Voilà. Oui. Si on met ça, pas besoin de m'ajouter de sel. Ah, d'accord. Et même sans ajouter de sel, le goût, il est construit. Ok. Avec un tout petit peu d'oignon frais, voilà. Comme ça. Donc il y a toujours. Oui. On a besoin de trois éléments. Deux éléments, ça ne suffit pas. Peut-être que le basilic, ça suffirait, ça remplacerait voilà, le sel. Voilà. Ah, moi j'ai pris l'habitude de mettre le goût du sel, donc je trouve que le basilic, il est en trop. Mais peut-être que je pourrais faire le contraire. Voilà. Pour la santé, ça serait mieux. Voilà. Mmh.
intéressant. Donc, hein. Donc, c'est le problème du monde entier aujourd'hui, c'est celle qu'on croit qu'on a besoin d'un avis, oui. Que ce qu'on a appris. Oui. Mais malheureusement, le sel, il est caché partout. Oui, je sais bien, dans tout ce qui est industriel. Aussi. Même là-dedans, je pense. Aussi. Oui, le pain. Même natrium, il est caché dans la tomate. Ah oui. Donc, même sans ajouter de sel, normalement, pour l'humain, tout ce qu'on mange, on n'a pas besoin d'ajouter de sel. Pas du tout. Non, on n'a pas besoin. Par contre, comme ça ne sent pas le goût, oui. Comment on crée, comment on construit le goût, comment on mélange de goût avec le condiment. Oui, 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 je vois. Imagine, autrefois, le sel, il s'appelle Gabel. Et ça coûtait très cher. Ça coûte très cher, oui, donc il y tout le monde. La taxe. Donc, taxe. Et tout le monde, il ne peut pas utiliser le sel. Imagine, comme autrefois, on ne peut pas utiliser le sel, comment il faut cuisiner. On utilise. Plein de condiments, vous avez des herbes. Les herbes, et les épices. Ils s'appellent condiments. Ouais. Condiments. Oui. Au Japon, ce qu'on dit condiment, si on écrit en façon à l'écrit japonaise, condiment, ça veut dire goût de médicament. Goût de médicament. Donc c'est le condiment qui va créer la santé de l'humain. C'est bien ça, c'est intéressant, oui, oui. Ça, quand on mange, c'est pour la santé. Je ne sais pas trop faire ça, moi. Oui, oui, ça, on doit apprendre. Et c'est facile comme tout ça. Les herbes et les épices, chaque saison, qui sort, différentes herbes, différentes épices, et chaque endroit, ils sont différents, chaque région sont différents. Donc on en a besoin normalement de liaison avec le terroir et grâce à condiment. C'est pour ça que le mot de latin, on utilise con. Oui, oui, oui. Oui. Dimon. C'est con, c'est le partage. Et oui. Donc oui, avec, avec ça, on partage la santé. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens, ça, ils n'arrivaient pas à utiliser ça. Oui, même nous, tu vois, on le plante, mais on ne sait pas très bien l'utiliser. Je le laisse pousser, il est monté en fleurs. Je vais y penser. Non, c'est important. Mais con, c'est le mot de latin pour dire le partage. Tout à fait. Partage avec la nature, partage pour la santé. Donc, si tu as une bonne tomate, s'il y a de bons goûts, bonne huile d'olive, là-dedans, il y en a déjà deux umami qui est caché. Et pour faire de liaison de deux choses-là, si tu as de bons condiments. Simplement, je cisèle un petit peu de basilic et de condiments. Et après ça, ça nous donne certification sur l'estomac et l'intestin. Là, c'est certification qui donne au cerveau pour dire ça suffit. Oui. Par contre, si on donne le sel, il donne sur le palais le message pour excitation du cerveau. Est-ce que les enfants qui excitent tout le temps, que vous préférez, ou alors est-ce que les enfants qui doivent être calmes? Grand-mère et mère, c'est différent. Mère, elle a du boulot. Elle doit occuper beaucoup de choses. À la maison. Maman, elle a beaucoup de boulot. Grand-mère, elle est reculée un peu, qu'on a un peu plus de temps. Donc si c'est grand-mère qui cuisine, vous avez, je ne sais pas que vous allez faire que ça, mais vous avez le temps pour bien cuisiner, pour bien préparer. C'est vrai. Là, les enfants, ils s'assoient, ils apprécient. Par contre, quand c'est maman qui cuisine, elle n'a pas le temps, donc il assaisonne trop. Et finalement, le résultat pour les enfants, le cerveau est fatigué. C'est vrai. Là, c'est vraiment dramatique de le monde entier. Hein. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je voulais filmer avec lui toutes les cuisines de grand-mère. Merci. Ah ben, c'est très important. Moi, je le dis à ma mère aussi. Hein. Il faut que tu t'en occupes, ma fille. Mais par contre, tu fais la cuisine comme ce que j'ai fait, ce que tu as fait pour moi. En fait, ma mère, elle ne voit pas assez souvent ma fille. Donc, quand ma fille qui entre au Japon, elle gâte trop. Là, quand j'étais petit, je n'ai pas mangé ça. Donc, pourquoi tu fais ça? Ouais, mais parce que je ne vois pas assez ma fille, ma petite. Ouais, ça, donc, c'est pas le boulot. Non. C'est tout le contraire. Tu vois? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses comme ça liées aujourd'hui. Le monde entier, c'est le problème.
Moi, la mère de Jean, elle a appris à ma fille à faire les pâtes à la main, tu sais, parce qu'elle avait le temps. Elle a montré comment on faisait la machine à pâtes et tout, et comment on farine. Ça, c'est savoir-vivre. C'est bien ça. Et donc, elle a beaucoup appris de sa grand-mère. Alors c'était vraiment très intéressant de rencontrer aujourd'hui Kay parce que, bon c'est vrai qu'on travaille ensemble, on est ravis depuis des années, mais de discuter avec lui, j'ai pu comprendre son approche qui est plutôt une approche de sensibilisation et d'éducation aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça vraiment novateur. On sent qu'il va aller beaucoup plus loin qu'une simple démarche gastronomique. Alors, qu'est-ce que j'en tire comme expérience ? Ben, par exemple, il m'a fait découvrir qu'on pouvait mettre un condiment sur une chose toute simple comme le melon et que ça changeait, ça exhaustait son goût et que c'était vraiment très intéressant. Et je crois qu'on peut repenser notre alimentation et notamment moi, j'ai des petites filles qui ont 5 ans et 7 ans, qui aiment beaucoup le sucre, qui aiment beaucoup le sel. Et j'espère, grâce à ces conseils, pouvoir faire évoluer ce que je leur propose vers plus de goût raffiné et pas la base du sel et du sucre comme d'habitude. Donc voilà, ça me permet d'y réfléchir et je pense d'évoluer dans mes pratiques. まあやっぱりあのこうやって普段ねあの町に暮らしててやっぱ都会で暮らしてるとこう田舎に来てこの自然に身を置くとねやっぱこう自然と共に暮らすことであったりとか自然を育てるっていうことはあの決してあの簡単なことじゃないし非常にいろんな手間暇がかかるっていうことを来るとね改めてこう思い知らされたって感じですね。でこのやっぱり手間暇っていう価値はなかなか目に見えるものじゃなくてあのこういう現場に来ないとあ手間暇かかってるんだなっていうのを感じることができないんですけどそういったあの手間暇がやっぱりこのオリーブオイルの中に隠れてるっていうのを私たちは日々の生活の中で暮らしてるオリーブのオイルの中からは、ね、簡単に感じることができないのでやっぱりあのたまにでいいからねあの自然に身を置くやっぱり田舎に行ってみる生産現場に行ってみるそういうあのことを都会で便利に暮らしている人ほどやらなきゃいけないっていうのをやっぱりあの改めてこういうところに来てあの思いましたと。と同時にあの一緒にこうちょっとね料理っていうかまああのご飯を作りましたけど生産者じゃないと作れない作り方かなと。この土地で育ててこの土地で熟したトマトだからできるあの作り方だなと。もうトマト自体が美味しいしでオリーブオイルは自分たちの使ってるしもう本当ごくシンプルな、ね、あの料理を作ってくれましたけどこれってやっぱり自分たちに作ってるものに自信があるからやれるやり方であってあの食材がなければこんなあの調理の仕方できないと思いますと。けどそれをなんかこう私は何もできないのよっつってあの素材の味を分かった上でなんかそういうふうな本当ミニマムなこう調理を出してくれたのは非常にあの良かったかなと思います。